tout seul. Elle est à nous deux, allez, John, c'est pas... C'est pas assez fort. Michel, attends, si tu réussis, il faudra pas tout garder. Faut m'en donner la moitié. Oui, d'accord. Mais non, laisse, il faut cogner. Je peux essayer? Oui. Regardez bien. Oh, bravo! À moi! Mais tu m'as renversé! Au revoir! Il faut frapper l'ennemi à l'endroit sensible! Mais non! Oh, mais deux! Crétin, abruti, bon à rien, imbécile, fichole camp. Va-t'en. Et ne remets jamais plus les pieds ici, les voyous. On t'a payé pour me ruiner, hein, c'est ça? Excusez-moi, qu'a-t-il fait? Il vous a volé? Depuis ce matin, cette brute m'a brûlé 5 costumes et 2 paires de pantalons. Il veut mettre tout le monde tout nu. Tu es nouveau, toi. Tu viens de débarquer. Oui. Et tu cherches du travail, je parie. Oui. Si ça te dit, je peux t'embaucher. Pour faire quel genre de travail? Ici, c'est une blanchisserie, comme tu vois. Si tu sais repasser, je t'offre la place de spiromane. Tu ne sais pas, ça ne fait rien. Attends, tu vas aller chez ma sœur, c'est là derrière. Elle tient une laverie où tu peux aller au restaurant Taoshi. C'est un cousin, il cherche un plongeur. Non, je te remercie. Si j'ai fait ce long voyage et que je suis venu en Amérique, c'est qu'au pays, je faisais ce travail idiot. Bonne chance. À toi aussi, bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Ainsi que le dit Confucius, seuls les plus sages ou les plus sots ne changent jamais d'idée. Arrêtez de pousser, ça ne vous avancera pas. Mais qui pousse? Personne ne pousse. Je voudrais un billet pour le Texas, s'il vous plaît. Ça avance? Je vous en prie, attendez. Allez, arrivez plus tôt. Pardon, monsieur, je voudrais un billet pour le Texas. Excusez-moi, monsieur, mais je voudrais un billet pour le Texas. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais un billet pour le Texas. Un billet pour le Texas, ça ne veut rien dire. Le Texas, c'est grand, enfin, c'est pas la Chine. Dans quelle ville veux-tu aller? Je n'ai pas de préférence. Bien. Numéro 1, place panoramique. Allons, messieurs, dames, montez, pressez-vous, on part. Hé, toi, où tu vas? Au Texas, j'ai un billet. Parfait, grimpe sur le toit, Shanghai. Mais je croyais pouvoir voyager à l'intérieur. Non, panoramique, c'est là-haut. Et puis, c'est le règlement. Les noirs, les rouges et les jaunes n'ont pas le droit de voyager là-dedans. Allez, monte, dépêche-toi, sinon on part sans toi. Pousse-toi.
Une demi-heure d'arrêt pour changer de chevaux. Bière et whisky aux frais des passagers. Hé, hey, Chang et Joe, descends, t'es arrivé. Mais où on est? Au Texas. Eh, c'était bien ce que tu voulais. Pour du Texas, c'est du Texas. Ça, il y en a jusqu'à plus soif. Mais je voulais aller dans une ville, moi. Remercie-moi de t'avoir trimballé jusqu'ici. Tu vas t'y reposer. Un pot de lait coûte $1,5 ici. Et pour cuire ça, ce serait combien? Faudra compter autant. Monsieur désire autre chose? J'aimerais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Pour l'eau, ça sera le même prix que le lait. Payable d'avance. Moi, je lui dis, gare à toi, il va te clouer. Mais le vieux John, il veut rien savoir. Un courage de lion. Ah, il sort dans la rue et Jean Bécarté, il l'attend. Des fenêtres, les gens lui crient, gare à toi, il va te clouer. Je t'en fiche. Alors le shérif s'approche et lui dit, gare à toi, il va te clouer. Il tique pas. Finalement, Billy le Kid est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, il l'a cloué. Regardez ça. Vous savez pourquoi depuis quelque temps il vient tant de Chinois en Amérique? Non, je t'écoute. Parce qu'ils sont trop chez eux. Alors on les balance à la flotte et ils dérivent jusque chez nous. Vous avez vu? Il ne doit pas savoir qu'il est en pays civilisé et que nous avons inventé la fourchette. Faudrait peut-être lui dire. Oh non, non. Il sait pas s'en servir. Il pourrait s'en brocher. Dis-moi, jeune homme, c'est vrai que les jaunes, quand ils ont peur, ils deviennent tout verts? C'est très drôle. Mais je crois que chaque peur a sa couleur. Eh ben, je voudrais bien voir un peu quelle couleur elle a, ta pétoche. Je vous en prie. Je veux croire que ce n'est pas exprès que vous avez fait cela. Non, encore un peu de lait, je vous prie. On a fini par se libérer des Indiens. Maintenant, nous voulons infester de Chinois. Ma parole, il se prend pour quelque chose, ce Shintok. Regardez ça, il est vraiment énervant avec ses grands airs. Puis-je avoir une fourchette? Oh, vous entendez? Il veut devenir civilisé. Hé, hey, Shintok, viens voir. Viens ici nettoyer mes chaussures. Ah. T'as pas entendu ce que j'ai dit, fils de putain? Nettoie mes souliers. Puisque les putains t'intéressent, je te propose de nous parler de ta mère. Quoi? Ah! Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me dire où j'ai une chance de trouver un ranch? Bien sûr. Vous allez en trouver un par là, à moins d'un demi-mille d'ici. Ce sont de bien braves gens qui l'habitent. Heureuse soit votre vie. Adieu. Regarde un peu ça. Il en place pas un. Cette fois, c'est loupé. Hey, c'est pas ma faute, il y a un vent contraire ce matin. Hé, le flemmard, va les chercher. Hé, hey, Sam, dis un peu ce qui se remet. Bonjour, messieurs. Vous travaillez dans ce ranch? Non, nous sommes des Boy Scouts, ça se voit pas. Ils sont peut-être pas comme ça dans ton pays. Et que viens-tu proposer? Je suis venu voir si vous pouviez me donner du travail.
Oh, tu veux dire laver, repriser et faire de la dentelle. C'est comme cow-boy que je voudrais être embauché. Ah, un cow-boy qui aurait attrapé la jaunisse après une nuit d'ivresse. C'est juste qu'il n'a jamais vu de vache. C'est comme les maris trompés, ça porte des cornes. Ton cheval, tu l'as laissé à la consigne. Mais je pourrais en prendre un à crédit. Si vous m'employez d'ici quelque temps, je réussirai bien à le payer. Il faudra être marteau pour vendre un cheval à crédit. Reviens nous voir quand t'auras de l'argent et que t'auras appris à ouvrir tes yeux en grand. Hé, hey, cow-boy. Tiens, il y a un truc qui serait marrant. Et on pourrait d'abord lui faire des clous. Qu'est-ce que vous en pensez? Hé, hey, le museau jaune, attends un moment. Dis-moi, t'as vraiment envie d'avoir un cheval? Je vais t'offrir la possibilité de le gagner si tu réussis à faire deux petits trucs que moi et le flemmard on sait faire. Alors le cheval est à toi, mais si tu rates, tu vas servir de boy à toute l'équipe et ça pendant 6 mois. T'es d'accord? Je le suis. Ah, bravo. Ah, ouais, c'est justement une grande lessive à faire. Ah, oui, bah, c'est pour la vaisselle que ça vaudrait le coup. Ce machin pointu, c'est un clou. Eh bien, il faudra l'enfoncer complètement dans l'établi d'un seul coup de marteau, comme ça. Ah, bien joué. Il a blanchi. À toi de faire à présent. Viens. Fais mieux. Un marteau, c'est fait pour enfoncer les clous. Je crois qu'il préfère servir de boy. Il a peur de se taper sur les doigts. Prépare ton linge. C'est incroyable, il l'a planté jusqu'à la tête sans marteau. À mon avis, il y a une combine de chinois là-dessous. T'aimes les trucs spectaculaires, hein? Tu vois ce cheval juste à droite? Regarde bien, parce que je ferai pas ce truc 36 fois. Hey! T'as pigé, c'est facile. Tu cours, tu bondis, tu fais une pirouette et tu retombes dessus. Vas-y. Égare à la casse. Hé, le chinois distrait, fais attention, le cheval est juste derrière toi. Diable, ce Shintok. J'ai jamais vu une chose pareille. Moi non plus. C'est pas croyable. Quel cheval voulez-vous que je prenne? Écoute, le journal, tes trucs de magicien, tu peux te les garder. Alors à présent, tu fiches le camp. Vous plaisantez, je crois. J'ai gagné ce pari. Je veux ce cheval ou un autre. Eh, barre-toi, t'as pas entendu? L'intermède s'arrête là. Faut se remettre sans tarder au boulot. Alors, vous me le donnez ou je dois le prendre de force? Je vous parle. J'ai gagné honnêtement ce cheval. T'auras toujours gagné ça. Hé! Va chercher ton cheval! Courage, allons! Va vite si tu l'oses! Thank you.
Je te l'ai déjà dit, mon brave, on est au complet. C'est pas que je ne veuille pas le faire, quoi le bien fils, mais en ce moment, j'embauche personne. Surtout pas un Chinois. Oh. Vis longtemps et tu verras tout, dit Confucius. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez qu'un Chinois peut être un bon cow-boy. Ah, t'es obstiné, ça me plaît. Je vais te mettre à l'épreuve puisque tu me le demandes avec tant d'insistance, mais faut pas espérer avoir un dollar tant que tu l'auras pas gagné. Là-bas, il y a une baraque réservée à mes hommes, ils te feront une petite place. Tu es libre, va. Le vieux doit être devenu marteau. Si au moins il l'avait envoyé à l'écurie, avec les chevaux, les Mexicains. Je me demande ce qu'il y a de si précieux dans son sac, jamais il n'y abandonne une seconde. Ça m'intrigue aussi, j'aimerais pouvoir y regarder. À mon avis, ce sac, il est rempli d'argent. Bonsoir. Salut. Bonsoir, messieurs. Hé, hey, si on faisait une petite partie. Je suis d'accord. Oui, moi aussi. Ouais, mais c'est pas drôle entre nous. Eh non, c'est toujours le même fric qui tourne. On se le fait. Hé, hey, l'ami. Hé, hey, tu ne manques pas de sang-froid, toi. C'est toujours au poker. Quand les autres jouent, il m'arrive de regarder. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite partie, hein? Je n'ai pas d'argent à perdre. Je ne suis pas riche. Combien est-ce que tu as? Je n'ai pas plus de 5 dollars. Oh, c'est vraiment pas très important. C'est juste pour tuer le temps. Si vous dites qu'il ne s'agit que du temps... Ici, on joue argent sur table. Ils sont un peu méfiants. Il n'y a pas encore le vôtre. Eh, hey, il a raison, l'ami. On est distrait. Tirez une carte. Ah, c'est à moi. Auriez-vous un autre jeu de cartes? Pourquoi? Il est très bien, celui-là. Les as sont un peu usés. Vous voyez, on les reconnaît. Ah, c'est pas du fer. C'est normal d'user les cartes, à force de jouer. Bon, plein jeu neuf. Merci. J'ouvre à 5 dollars. Je vois. Moi aussi. Sans moi. J'ai un brelan droit. Désolé, j'ai un brelan d'as. Ça va, Charlie. Messieurs, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu chantes? Tu continues à jouer, c'est compris? Mais il était convenu que c'était la dernière donne. Oh non, mais reste là. Arrête, Bert. Laisse-le partir. D'ailleurs, ce garçon a raison. Il se fait tard. Faut vraiment aller se coucher. Ah, non, d'une pipe. Eh oui, pas. On s'est fait avoir comme de vrais enfants de cœur. Maman aurait été furieuse. Elle aurait pas eu tort. Du moins pour cette fois. Thank you.
descends de là si t'es un homme. Descends, serin jaune. Vieni. Un, deux, trois, quatre. Mais ça fait mal. Laisse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Attends que je t'explique. On plaisantait, je te jure. On voulait pas te faire de mal, non. Je t'assure, c'est notre façon de fêter les nouveaux venus ici. C'était pour rire. Eh bien, merci beaucoup. J'apprécie l'intention. Seulement, je préfère chercher un endroit plus tranquille. Vous êtes bien gentil. Mais votre accueil est trop chaleureux. Je suppose qu'on peut pas se tromper. Il n'y a personne d'aussi jaune dans toute l'Amérique. Comme voulez-vous, parlez. Chez nous, les nouvelles circulent vite. On a appris que tu as eu des petits ennuis au ranch Ferguson. Oui, il voulait me voler mon sac. Ah oui? Oui, c'est bien lui. Moi, je trouve que tu as une belle façon de répondre. Tu es rudement vif, mon gars. Hein? Excuse-moi, Shanghai, mais... On voulait s'assurer que tu étais celui qu'on cherche. Et vous me cherchez pourquoi? On voudrait te faire une proposition. Si tu veux devenir cow-boy, nous t'offrons de travailler pour le plus important des éleveurs de cette région. C'est M. Spencer. Logement, nourriture et 30 dollars la semaine. Je ne vois pas pourquoi vous m'offrez ça. Ben, t'es exactement le genre de gars que le patron espérait trouver. Eh oui, on lui vole souvent du bétail. Tu vois, M. Spencer engage volontiers des gars dans ton genre. Je suis persuadé que tu trouveras pas deux fois pareille chance. Qu'est-ce que t'en penses? J'accepte. Al, on attendra ici. Billy, David, allez, surveillez les environs. Allez, rappelez vite. Le bétail, où est-il? En face de toi. Nos bêtes n'ont que deux pattes seulement, comme tu peux le voir. Elles mangent moins et rapportent plus que celles qui en ont quatre. Vous croyez qu'en Amérique, vous aviez aboli l'esclavage? Qui parle d'esclavage? Ces gens ne demandent qu'à venir travailler pour nous. Dans leur pays, ces malheureux crèvent de faim. Le patron paye une prime à celui qui les engage et leur fait passer la frontière. Et puis, il revend les contrats aux planteurs de l'Ouest, c'est tout. Je vois aucun mal à ça. Et puis, une bête, ça accepte tout. Halt! Reste là!
Alors, Seigneur Craig, comment est-ce que vous êtes? Très bien. T'as le compte, Jésus? 28 en tout. Je les ai choisis aussi fort que votre petit Jésus. t'es vraiment le pire voleur qui soit au monde. Tu dois les avoir trouvés à l'hospice, hein, tes muchachos. C'est vraiment une escroquerie. Merci bien, Seigneur Craig. À la semaine prochaine. Alors, en route. On repart, muchachos. Allons, debout. Debout. Levez-vous, fainéants. Allez, remuez-vous. Allez, allez. Courez. Plus vite, plus vite. Allez, du nerf, du nerf. Allons, plus vite. Courez, courez. Allons, mon gars, c'est ridicule la sensiblerie. Ce sont pas des Chinois. Des hommes, en tout cas. Et je ne peux réussir à n'y voir que des moutons. Cesse de jouer les cœurs tendres. Allons vite rejoindre les autres, on est en pleine zone dangereuse. Yaha! Poisson! Les soldats! Une patrouille qui vient par ici! On peut pas les éviter! Ce défilé est un vrai piège à rats! Nous tentions de couper à travers la montagne. Ils n'ont aucune chance! Alors il faut suivre les ordres de Spencer! Yeah! Ha! Voilà les soldats! Sauvez-vous! Vite! Disparaissez! Et ne vous faites pas prendre! Filez! Anna! Getsu! Il ne doit pas rester un seul vivant! Est-ce que tu t'embêtes? Bien, mais je sois bien. Achève-moi à présent. De près, c'est bien plus facile. Je n'ai rien fait du tout. J'ai refusé de tirer et j'ignore pourquoi ces brutes vous ont tiré dessus. C'est pas la première fois qu'ils font ça. En fait, ils commettent ces crimes par peur que nous les dénoncions si on se faisait attraper par les soldats. Aide-moi à me relever. Merci. Ça va aller. Est-ce que tu pourras te tenir à cheval? Je crois. Il faudra bien. Oh. Oh. Oh.
Retourne auprès des tiens et fais-leur comprendre que l'esclavage est une chose plus terrible que la faim. Je ne manquerai pas de leur dire. Dieu veille sur toi. Nous a vendu. Tu es bien fermement résolu à mourir? Qui t'a ordonné de nous tendre ce piège? Hein? Qui t'a payé? Son nom ou je t'arrache la langue? Vas-tu parler? Tiens! Je deviens un champion, je crois. C'est le tendon d'Achille qu'il faut couper. La bête n'a plus envie de fuir. Le chinois est plus près, ce sera plus facile, je crois. Non, non. Je pense à un traitement assez particulier pour le chinois. Mes amis, allons voir ce que va en faire Moloch. J'espère que le spectacle vous plaira. Si vous faites un seul geste, je le tue. Ne bougez pas. Ah.
non, non, ne me frappe pas. Arrête, je t'en supplie. Si seulement tu étais un homme, je pourrais te tuer. Mais tu n'es qu'un déchet humain. Non, non, je t'en prie, ne frappe pas comme ça. Ne me frappe plus, par pitié. Pardonne-moi. Non, non. Tu n'es qu'une sale vermine, une immonde créature, tu vois. C'est facile de donner la mort. Mais mourir, c'est bien autre chose. Arrête, je n'en peux plus. Laisse-moi, laisse-moi. Je te donnerai la richesse. Je te donnerai l'Amérique. L'Amérique. Tu peux la garder, celle-là. Ce n'est pas elle que je suis venu chercher. Dans cette Amérique-là, je devrais te briser les jambes et laisser les vautours t'arracher les yeux. Et les chacals te dévorer. Mais je veux croire que l'Amérique est autre chose qu'un pays de crapules et de lâches comme toi. Les passeurs se chargent d'engager les péons au-delà de la frontière. On les appâte en leur racontant qu'ils auront un très beau salaire. Mais il ne s'agit que d'un trafic d'esclaves, en fait. Si ces malheureux tentent de fuir ou de se révolter, ils sont torturés ou tués avec des raffinements atroces. Le chef de toute cette organisation est un certain Spencer, chérie. Doucement, voyons. Je ne peux te croire sur parole. Monsieur Spencer est l'un de nos meilleurs concitoyens. Jamais nous n'avons eu à nous plaindre de lui. Allez voir par vous-même. Et tu oses raconter des balivernes pareilles? Tu outrages un blanc, toi qui ne l'es pas? Je ne dis rien d'autre que l'entière vérité. Ça suffit, tes boniments! Sors d'ici tout de suite! Et ne remets jamais les pieds ici, ou je te flanque derrière les grilles pour diffamation. Allez, vide les lieux! Tu as pris le cheval de Spencer? C'est bon, je t'arrête pour vol de cheval. Un voleur qui se permet de calomnier sans vergogne les braves gens. Allons, suis-moi! Arrêtez cet homme! Qui es-tu? Je m'appelle Christine. C'est bien à vous, ceci? Mon sac? Mais comment se fait-il que tu l'aies? C'est mon père qui l'a trouvé. Il m'a dit que tu te rappellerais l'homme que tu as sauvé il y a 10 jours. Mais comment as-tu fait pour me retrouver ici? Les Indiens ont les yeux de lynx. Ils m'ont indiqué ta retraite. Ce sont de vrais amis. Sauve-toi. Ta vie est en danger. Que veux-tu dire par là? Avant-hier, un péon a réussi finalement à s'enfuir de chez Spencer et à revenir au village. Il dit que Spencer est furieux et qu'il n'a qu'une idée en tête. Il veut à tout prix se venger de toi. Je viens te prévenir, sauve-toi. Christine, je te remercie d'être venue me prévenir, mais je ne puis partir. On pourrait croire que c'est par peur. Si tu me suivais au village, tu serais en paix et tu pourrais vivre chez nous. As-tu faim, Christine? Oui. Comment va ton père? Il est presque guéri, et pour toujours, nous te serons reconnaissants. Maintenant que je te connais, je suis 10 fois plus heureux de l'avoir sauvé. Tes yeux sont étranges, de très beaux yeux, mais ils brillent parfois un éclair malicieux. Les tiens sont bien plus beaux que les plus beaux diamants. Excusez, j'aurais dû frapper, je sais, mais j'ai trouvé la porte ouverte. Ne bouge pas. J'ai un ami dehors. Un gentleman fort distingué. Il voudrait dire deux mots à la demoiselle. Mais comme il est un peu timide, il a préféré que ce soit moi qui lui demande de venir. Non, non. Qu'y a-t-il de bon à manger dans un chinois?
Je vais le bouffer tout cru, mon chinois. Je vais lui faire sauter la cervelle. C'est sûrement délicieux, la cervelle de chinois. Christine! Oh, oh, j'ai peur. Il y avait un autre homme. Partons vite, Joe. Il va prévenir les autres. Ne t'affole pas comme ça. Ils ne nous trouveront pas. Te suivre au Mexique, Christine. Mais vois-tu, je suis persuadé que Spencer n'osera pas reprendre son odieux trafic tant qu'il ne sera pas sûr que je suis mort ou que j'ai quitté le pays. Il me faut donc rester ici. Mais toi, tu dois rentrer chez ton père. Christine. Excuse-moi, je m'endormais un peu. Tu es fatiguée. Je crois qu'il doit y avoir un village pas loin d'ici. On va y passer la nuit. Mais demain, je te reconduirai jusqu'à la frontière. Tu es d'accord? Je ferai comme tu voudras, Joe. Nous voudrions avoir deux chambres. Je suis au regret, mais tout est complet. J'ai comme une idée que vous faites erreur. Ah oui, il en reste une. C'est la seule, alors c'est à mademoiselle que l'on va la donner. Bien sûr. Va te reposer, moi je vais m'installer dans l'écurie. Bonne nuit, Christine. Bonne nuit. Bonjour, je voudrais un peu de lait. Vous voulez aller m'en chercher? Du lait? Oui, j'en ai. Attendez, j'y vais tout de suite. Christine? 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 Thank you.
As-tu vu sortir la demoiselle? Qu'est-ce que tu me donnes pour te le dire? Dis-moi où elle est. Donne-moi un dollar. Là. Si tu mens, je reviendrai te corriger. Tu me fais pas peur? Frappe-moi si ça te fait plaisir. Les coups, j'ai l'habitude. Voilà. Chez nous, mon chinois, t'es dans le trou, c'est comme ça qu'on attrape les chinois. Dans le trou, il y a du bois, perche-toi, perche-toi. Hé, t'es bien dans ton trou? Il n'y aura plus qu'à reboucher. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça manque pas de piquant, hein? Ça marche toujours, ces bons vieux trucs. Christine. Il faut oublier, je suis là près de toi. Spencer offre 5 000 dollars. Est-ce qu'obtiendra celui qui réussira à te tuer? Ah, je
Je n'aurais pas cru qu'un Chinois valait si cher. Je vais aller chercher un docteur. Non. Ce ne sera pas long. Non. Non, non. Reste là. Excusez-moi, je cherche un médecin. Prends ce chemin. Dans le village suivant, tu en trouveras un. Merci. On passe un peu. Bien sûr. C'est passé. Bah. Attention à la marche. Oh, quel crétin. T'as juste 10 de plus. Enfin, c'est un peu cher. Viens par ici, toi. Votre santé, monsieur. Ah, j'avoue qu'un homme bourré de fric, moi, ça m'impressionne. Si j'avais seulement le quart, moi, je ferais fortune. En quoi faisant? En quoi faisant? Eh ben, c'est pas compliqué. Vous voyez ce curieux type qui joue du piano? Eh ben, il est riche à millions. Il a beau toujours perdre, il se passionne pour le jeu. Il se débarrasse de sa fortune comme vous le feriez d'un fardeau. Tenez, hier soir, ce fou-là, il a perdu 3000 dollars. Eh ben, ça le faisait rire. Moi, je suis disposé à le soulager de quelques balles. Ça m'amuserait de le faire rire. Et moi aussi, s'il est d'accord. Eh ben, je peux lui demander si vous voulez. Seulement, j'aimerais avoir une petite histoire. Premièrement, faut gagner. T'as pas envie de t'amuser? Merci, j'ai autre chose en tête. Le poisson est appâté. Seulement, vas-y plutôt doucement. Laisse-moi faire. Non, vous. Je mets ça sur votre compte, monsieur Tricky. Bien sûr. Si on faisait un tour de blackjack, pour chauffer les cartes. Pourquoi pas. Elles sont neuves. Qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi, savez-vous où je pourrais trouver un médecin? Pour un chrétien ou pour ton cheval? C'est pour une femme. Oh. Demande ailleurs. Eh bien, vous avez vraiment une chance incroyable. Bon, ce n'est pas toujours comme ça, hélas. C'est bien la première fois de ma vie que je ramasse un peu. Habituellement, je suis le perdant. Mais la chance est inconstante. Elle me trompera sûrement d'ici peu. Ce coup-ci, on va ouvrir à 300. Tricky, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai aperçu le fameux Chinois de Spencer. Il voudrait voir un docteur. Bien. Propose-lui donc le docteur Tricky. Amène-le ici, je vais le soigner. J'y vais. Manuel, débarrasse, va falloir de la place. Messieurs, faut s'en aller. On ferme, allez, tout le monde. J'ouvre à 80. Allez, allez. Il faut arrêter à présent, ça ferme. Mais c'est fait exprès, comment je vais me refaire? On va sans doute se revoir, ce sera un plaisir. Vous êtes une personne bien sympathique. Vous trichez, c'est parce que vous gagnez qu'on ferme, parfait. Bon argument. C'est à vous de parler, messieurs. Oh! Derrière le comptoir, vite. Oh, un Chinois! Comment tu t'appelles? Shanghaizhou. C'est toi qui cherches le médecin? Il se pique le nez au saloon, comme d'habitude. Il faut que tu te dépêches si tu en as besoin, car dans une heure, il sera totalement noir. Et où est le saloon? Non, c'est juste à deux pas d'ici, je peux t'y accompagner. Vous avez raison. Tout ça, c'est bien pour nous faire tourner en bourrique. Ce qui prouve que nous, femmes, on ne doit plus se laisser faire. Oh! 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 Oh!
que nous attendons, il n'a pas d'armes. Va. Ça ne prend pas, Chinois. C'est une excellente ruse, mais tu vois, je ne suis pas dupe. Écoute-moi, Chinois. J'ai un revolver et toi, tu as 7 vies, comme les chats. Pourquoi ne pas se mettre d'accord? Alors parle, on verra. Voilà, pour te faire la peau, Spencer offre 5 000 $. Tu disparais d'ici, je lui dis que je t'ai abattu et on se partage le fric de la prime. Hein? Ça me paraît raisonnable, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ça pourrait se discuter si tu n'avais pas de revolver. Ça va bien. Je viens désarmer. Un. Et deux. On est à égalité à présent. Je peux descendre? Si tu es sans armes, d'accord. Ce Spencer, tu sais, dans le fond, il me dégoûte. Mais... qu'est-ce que tu as à la tête? Ah, ça. Et je n'étais pas d'accord avec mes amis, alors ma foi, on s'est un peu bagarré. Bah, c'est normal quand il y a 5 000 $ en jeu. Ne te laisse pas entortiller. Tu sais, l'Amérique est complètement pourrie. Ses habitants n'ont absolument pas d'armes. Dans chaque pays, le bien et le mal se côtoient. Ah, c'est bien d'être un philosophe chinois. Mais ce pays est une terre où il est vraiment difficile de vivre si l'on ne fait pas de philosophie et que l'on est américain. Crois-moi, chinois. C'est un américain qui parle ainsi. Comment ça? Au contraire. Si j'ai le droit de parler comme ça, c'est que je suis un bon américain, ça perd l'hypopète. Apporte-nous un peu d'eau. Elle a de la fièvre, mais c'est pas grave. Voilà. La bouche ouverte. Merci. Là. Bois un peu d'eau. Bien. Donne-lui en 2 toutes les 4 heures. Quand le flacon sera fini, la fièvre le sera aussi. C'est radical. Adieu et bonne chance, l'ami. Mais attendez, vous oubliez de me dire combien je vous dois. Ah oui. Combien tu me dois? Eh bien, j'y réfléchirai. On verra ça une autre fois. Acceptez au moins un petit cadeau, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? Rien qu'un peu de thé. Ça vient de mon pays. Si on peut l'allonger avec du whisky, je vais en faire une cure. Merci. Et tâche de guérir vite, ma petite fille. Tu me combleras. Au revoir. Ça m'a semblé très long, tu sais. Certains amis m'ont retenu et j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire. Ne trahis pas, et partout,
fait triompher la justice. C'est une vraie et toute fraîche. Hein? Oh, tu me plais comme ça. Bien beaux cheveux noirs, ça me plaît.
souris donc. Devant les femmes, faut pas se montrer une mauviette. Ensuite, Jacques sort un grand coutelet et s'approche du Chinois et lui dit « T'as peur devant les femmes? Oh, c'est minable pour un gars qui a la réputation que tu as. Serais-tu faible qu'il lui dit comme ça? Oh, comme je vous le dis, clac, il fallait voir. T'as peur d'un petit coup de coutelet? Une bouche pas, ça sera vite fait. Et clac, il lui a charclé. » Il l'a scalpé alors. Eh ben, nous connaissons tous les habitudes du vieux Jacques. Il n'est pas méchant, croyez-le. Il a juste ce tout petit vice-là, comme moi, de me faire chatouiller par les filles. On a bien de la chance. Seuls les gens aussi chauves que moi n'ont donc un souci à se faire. C'est pas le genre de scalp qui plaît au vieux Jacques. Quelle plaisante. Je crois que le vieux drôle mérite une récompense pour sa bonne nouvelle. Hé, pirate, va donc voir Ramona et demande-lui une fille si ça te fait vraiment plaisir. Allez. Oh, mon Dieu, oui, que ça me fait plaisir, monsieur Spencer. Comment vient d'apporter ça pour vous, monsieur Spencer? De la part de qui? Je l'ignore, le péon qui me l'a remis a filé sans rien dire. C'est bien. Méfiance. Il pourrait bien y avoir une bombe là-dedans. Non, ce n'est pas assez lourd. J'ai idée qu'il s'agit d'un cadeau de Jack. C'est un cadeau, mais envoyé par un autre. Oh, c'est dégoûtant. Il faudrait extraire la balle. Apporte mon sac, s'il te plaît. Oui, Joe. Mais tu vas souffrir, Joe. Tu ne pourras pas résister? Je ne sentirai rien, rassure-toi. Pourquoi? Tu vois ces aiguilles? Je vais les enfoncer en entier dans ma chair, en deux endroits bien définis, et elles bloqueront les sources de la douleur. Mon maître m'a enseigné cette science, nommée acupuncture. Je suis fier qu'il me l'ait transmise. Ça empêche la plaie de s'infecter. C'est ce qu'on appelle bombe de Tao. Ça y est,
J'ai découvert l'homme qu'il nous faut. Mais qu'a-t-il de particulier, votre bonhomme? Pour moi, ce n'est qu'un nom. Rassure-toi, Spencer, ce Mikuria est bien celui qui empochera la prime. Shanghai, ce tatouage en forme de fleur, puis-je savoir quelle est sa signification? C'est bien autre chose qu'un simple tatouage. C'est la flamme symbolique de l'ordre du feu auquel j'appartiens. Ce symbole orne seulement le bras de ceux qui sont parvenus à la maîtrise complète de leur corps et de leur esprit. Maîtrise que l'on acquiert qu'après de longues années de discipline. Dans ce but, mes parents me confièrent au vénérable maître Yang, qui me prit dans son gymnase. Là, je fus soumis aux épreuves les plus dures. J'appris à dominer la faim, la soif, la douleur. Mon corps devint dur comme l'acier et flexible comme le jonc. Je fis partie des 10 élèves qui avaient surmonté chaque épreuve. Le maître nous rassembla dans un temple où pendant 3 ans, il nous enseigna tous les secrets du yoga et les techniques de lutte les plus anciennes, jalousement gardées par les maîtres et réservées à un petit nombre d'élus. Au terme de ces 3 années d'études, nous ne fûmes que 2 à accéder à l'honneur suprême, devenir membre de l'ordre du feu. La douleur de cette brûlure, vous avez appris à la dominer, mais cette fleur sur votre bras vous rappellera votre serment. N'oubliez jamais la devise de notre ordre. Récompense le bien, punis le mal, et partout fait régner la justice. Vous devrez toujours respecter ces règles. Voici les célèbres poignards de Kun Luam. Vous recevrez aussi les épées de Lin Shu et du dragon. Surtout, voici tous les secrets ancestraux de notre ordre. Seuls vous deux pourrez au cours de ce siècle les recevoir. Personne ne saura qui vous êtes. Dans quelques années, vous aurez peut-être changé, mais grâce au signe sur votre bras, vous pourrez toujours vous identifier comme étant les disciples de Yang. Avec vos armes et votre connaissance, vous êtes pratiquement invincible. Mais si vous utilisez ces dons pour faire le mal, la justice de l'ordre saura vous punir impitoyablement. Voici 2 000 $. Le reste, tu l'auras après seulement. Soit 3 000 autres $. Je ne te les remettrai que si tu apportes sa tête. Là-bas, au fond de la vallée, c'est le Miajou. Dias. Christine, je suis heureuse d'être
revoir. C'est Joe qui a sauvé père. Ah, soyez le bienvenu, entrez. Viens. Joe, je te présente le frère de Conchita, Pedro. Bonjour, monsieur. Il m'a dit, monsieur, je commençais à croire que Smola n'existait plus du tout en Amérique. Monsieur Joe, il y a un homme dehors qui m'envoie pour vous dire qu'il veut vous voir tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Je l'ignore. J'ai peur, Joe, n'y va pas. Allons, voyons. Fuir l'ennemi, un homme comme moi, n'y compte pas. Shanghai Joe. Pourquoi es-tu ici? J'ai toujours respecté nos règles. C'est que tu avais sans doute la peur d'être puni un jour. Moi, j'ai trahi l'ordre et pourtant je suis en vie. On m'a payé pour te tuer. Prépare-toi à mourir.
Plus qu'une balle, ne me rate pas. Tire, lâche. Vise au cœur. Je dois accomplir mon devoir. Est-ce que tu comprends ça, Christine? L'ordre du feu me le commande. Je le dois. Bats-toi pour faire triompher partout la justice. C'est une bien belle devise. Il me faut la suivre. Ma vie ne m'appartient pas. Adieu.